Bonsoir tout le monde. Hey everyone. There's no one here right now, but there will be later, I guess, ou demain. Quelqu'un va les regarder. Je vais ajouter de la trois dimensions sur ma toile que j'ai commencé live cette semaine, que vous aviez vu le début. Là, j'ai fini le corps, ou presque. J'ai des petites touches à changer. Mais tout le monde veut savoir ou voir comment je fais pour ajouter la troisième dimension quand j'ajoute des tissus sur des toiles. People often want to see how I get the third dimension on top of my paintings. So I finished the skin, or almost finished the skin of the painting I started last week live on here. And I'm going to show you how I get my third dimension on there. Je vais vous montrer comment je fais pour ajouter ma troisième dimension. Je vais vous mettre la musique. Comment je fais? Je prends un petit G-string ici. Puis je vais y mettre ça. On va commencer par découper les strings, justement. Je vais faire des points de repère. Savoir où je vais la couper. Ça laisse des traces. Celui-là, on n'a pas pour laisser. Mat medium, du médium mat. Un bon pinceau. J'en mets sur mon crayon. Salut Lady. Je vais couper un peu pour d'abord. Donc, vous voyez, j'ai collé mon string. Il me reste à l'ajuster. Puis, quand ça va sécher, tout ce qui est blanc va devenir transparent. Puis, ça va avoir l'air d'être juste. De faire partie de la toile, comme n'importe quel autre morceau que je colle sur mes toiles. Je prends le côté du devant. I'm going to take the front part. And I like it because it's transparent fabric, so when I stick it on, it's going to look like she's wearing a shirt, but you can see through it the work that I've done in her back a little bit. So keeps it looking kind of real. So I'm going to stick it on and then I'm going to kind of bunch it up to make it look like it's kind of been hanging off her body.
Or like she's been pulling it off. Comme j'étais en train de l'enlever. Encore une fois, je mets medium mât partout sur la camisole puis sur le dos. Du bon côté. Celle-là, ouais, il y a beaucoup de monde qui l'aime, merci. C'est beaucoup populaire. C'est la première que j'ai faite live au bord de Central. C'est salon un peu, c'est it's a very messy job, it's kind of sticky and not the best clean thing to do, but the results are good. I invented this technique by adding small pieces of things at a time and making them get bigger and bigger after a while. J'ai commencé à mettre des petites choses sur mes toiles, puis tranquillement, ils ont grossi. J'ai comme à la longue inventé ma propre façon de faire. Là. Passer du gel dessus.